la police, la mairie, on peut dire ça, sont venus avec tous ces matos pour casser le terrain. Un terrain qui est là depuis 7-8 ans. Des gens qui travaillent, des gens qui veulent faire quelque chose dans leur vie, des gens qui... Regardez, les enfants, ils vont à l'école, c'est pour grandir ici, pour faire les papiers. On est dans la Union européenne, on n'est pas démocratie, on n'est pas comme avant. Quand même, il faut que, je sais pas, l'État français, il faut qu'il comprenne ça. On est dans la Union européenne, nous aussi, on n'est pas des chiens. Les personnes qui effectivement n'ont pas eu l'hébergement d'urgence ont bénéficié du droit commun. Le droit commun, c'est effectivement faire appel au 115, qui est le numéro national qui permet de disposer d'un hébergement quand on n'a pas de logement et que le soir on cherche un hébergement. Je rappelle que les personnes qui étaient sur ce campement ont eu 6 mois pour préparer leur départ, qu'elles étaient accompagnées effectivement par des associations. Et qu'ils avaient la possibilité, les uns et les autres, de rechercher, par le biais des dispositifs communs, de droit commun, les hébergements possibles qui pouvaient les accueillir. Le fait de se retrouver sur le trottoir sous la pluie ne changera pas la donne. Le fait de se retrouver aujourd'hui ici ne fait pas que dans 2 semaines ou 3 semaines, ils ne seront pas sur un autre nouveau bidonville à tout recommencer comme un Sisyphe. On a proposé avec la Fondation Abbé Pierre un projet alternatif qui aurait pu permettre d'éviter cette situation de crise et d'urgence d'aujourd'hui. On n'a pas été entendu. Aucun dialogue n'a pu être établi.